Pendant plusieurs années, du coup, je me suis renseigné comment on pouvait mettre en place une pisciculture nouvelle. Et en fait, la réglementation est drastique sur l'eau en France. Il est difficile de prélever maintenant de l'eau dans les cours d'eau. Et donc là, ben, en fait, on ne prélève pas l'eau. Et ça, c'était important. Je pense que sur nos territoires, dans l'Aveyron, on a des acteurs locaux qui quand même soutiennent les projets comme, un peu atypiques comme le mien. On s'est installé fin 2020. Donc là, ça fait 4 ans. 4 ans, donc on fait que de la truite arc-en-ciel pour l'instant. Peut-être qu'on aura d'autres espèces plus tard, mais pour l'instant, on fait quand même ça. En fait, nous, donc pour l'élevage, on est en bio, en cage flottante. Donc c'est différent des bassins en béton. Le poisson, lui, du coup, il bénéficie donc de gros volumes d'eau. C'est en élevage classique, on peut monter à les Bretons ou les Landais, ils montent à 80 voire 100 kg de poisson par mètre cube d'eau. Donc vous imaginez le filet là, il va jusqu'à. Et bien donc du coup, le filet il va jusqu'à 10 mètres. Ah, ouais. Donc là, il y a 6 par 6, ça descend jusqu'à 10 mètres. Donc le poisson, surtout l'été, quand il fait chaud, l'eau, il descend, il a chaud, il se positionne. Et donc du coup, sur les densités d'élevage, on est à 80 ou 100 en industrie. En bio, on est limité à 25. Et par ce système, on est plutôt entre 7 et 15. On a vraiment, d'où le fait qu'on n'a pas de pathologie, on ne traite jamais aux antibiotiques, on n'a pas de pathologie sur les poissons.